C'est parfait. Waouh, tu es une très bonne artiste. Merci. En fait, le truc, c'est de réussir à peindre à l'intérieur des lignes et d'utiliser exactement les bonnes couleurs pour... Un soleil violet? C'est pas trop joli? Oh, oui, mais... En fait, le soleil est plutôt jaune. Je pensais juste que ce serait joli. Le violet, oui, c'est joli. Oh. Emma, qu'est-ce que tu fais? Je mets des paillettes sur la porcherie. Oh, mais les porcheries ne sont pas vraiment couvertes de paillettes. Donc si on s'en tenait aux couleurs de la ferme, d'accord? Tiens, voilà un pot de peinture marron. Le ton parfait de la boue. Oh, marron? Beurre, je veux dire, merci. Ok. C'est génial, Jack. Un mouton bleu. Un mouton bleu? Je sais, c'est trop drôle, pas vrai? Pas autant que ton dinosaure. Un dinosaure? Mais il n'est pas censé y avoir de dinosaure à la ferme. Mais c'est quoi une ferme sans dinosaure? Ben, une ferme? Il serait trop joli avec des paillettes. Les dinosaures à paillettes, ça n'existe pas dans les fermes. On peut pas s'en tenir à ma façon, comme les choses doivent être? Je crois que je vais aller me laver les mains. Ouais, moi aussi. On va peindre la ferme avec toi, Sophie. Ouais. J'en ai plus du tout envie. Et si on partait à l'aventure, alors? Dans une vraie ferme. Ça va être fermentastique. Ouais, on y va. Super idée. 2, 3, 4. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. Chante avec nous. Chante avec nous. Chante avec nous. J'adore la ferme. Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas. Hey les amis. Salut Bernie. Bonjour Bernie. Vous êtes venus pour les jeux? Quels jeux? Les grands jeux des chèvres. Tu pourrais devenir le champion en or des grands jeux des chèvres. Oh, moi je veux être un grand en or des chèvres. Peu importe le nom. Je veux être un champion. Moi aussi. On peut jouer avec vous? Ben, faut demander à Biff. C'est la chèvre qui décide. Désolé, si tu ne respectes pas mes règles, tu n'as pas le droit de jouer. Bonne chance pour la prochaine fois, ou pas. Bonjour. Je suis Biff. Eux, c'est Crash et Bash. Vous voulez jouer? Un peu, mon neveu. Si vous nous acceptez, Monsieur Biff. Oh, bien sûr! Pas vrai, les mecs? Je fais pas confiance à ces types. T'inquiète, on va gagner ces jeux! Oui, c'est cela, les enfants. Allez-y donc. Commencez sur la ligne de départ et terminez sur la ligne d'arrivée. Si vous y parvenez, vous deviendrez les champions en or des grands jeux des chèvres. Que les jeux des chèvres commencent! À vos marques, prêts, partez! Ce n'est pas si dur. On va être champion. Une seconde. Je suis si étourdi. J'ai oublié de vous dire une minuscule petite règle. Vous devez courir avec un œil fermé. Ok.
suis si idiot. Une dernière petite règle. La course est à cloche-pied. Ok. Oh zut. Je vais t'aider, Mia. Attendez, attendez. Encore une règle. Je dirais deux règles, en fait. Courez à reculons et retenez votre respiration. Mais... Je sais pas. Mais comment on doit faire pour... Hey, wow! Mais vous ne voulez pas être les champions en or des grands jeux des chèvres? Oui, je voulais... j'imagine. Oh, j'ai oublié la meilleure partie. Encore désolé, je vous avais bien parlé des pastèques. Il y a aussi des pastèques. Beurre. Oh, on dirait que nous n'avons aucun gagnant. Quel dommage. Merci d'avoir participé au grand jeu des chèvres. Revenez vite, ou pas. C'était pas super juste. Je sais. Et je suis épuisé. On devrait se reposer un peu à l'intérieur. On dirait qu'on n'est pas les seuls à pas avoir gagné. Vous savez quoi? On n'avait aucune chance de gagner. Ce bif n'arrête pas d'inventer des nouvelles règles en cours de jeu. Kobe a raison, c'est pas juste. Ce sont des terreurs, voilà ce qu'ils sont. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé de jouer au jeu de Biff. On n'a qu'à jouer à nos propres jeux. Mais c'est lui qui décide. Et s'il se fâche contre nous, on devrait peut-être rester ici. C'est pile ce que les terreurs veulent de nous. Qu'on ne fasse rien. Qui veut aller s'amuser avec moi? Nous. On va leur montrer qu'on n'est pas obligé de jouer selon leurs règles. C'est parti, mon Kiki. Ouais. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. Bon, je crois qu'on a vu tout le monde. Maintenant, ils sauront qui décide des règles par ici. Wow. Mais c'est quoi ça? Attrape-moi. Ils ont pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Sauf si je leur dis qu'ils ont le droit de le faire. Allez donc voir ce qui se passe là-bas, ok? Et voilà Crush et Bash. Moi aussi je veux jouer. Ok, pas de problème, viens. Oui. Hé, 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 toi. Crush, Bash. Hey. J'exige un compte-rendu complet. Les amis. Voyez, vous êtes en train de faire. Ben, on joue. Pourquoi? Parce que j'ai des règles pour vous. Voilà pourquoi. On a nos propres règles, Biff. La première, tout le monde a le droit de jouer. La deuxième, tout le monde est juste. Et la troisième, tout le monde s'amuse. Et personne n'est une terreur. Tu joues avec nous? D'accord, comme tu voudras. Ciao. Oui. 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 Je me demandais, tu peux me répéter les règles? Tout le monde peut jouer. Tout le monde s'amuse. Il y a pas de terreur. J'imagine que je pourrais essayer. Si c'est d'accord. Bien sûr. Tout le monde a le droit de jouer, tant qu'il joue gentiment. J'arrive! Même les terreurs peuvent apprendre de nouvelles règles, on dirait. Et aussi apprendre à s'amuser. Et tu sais quoi d'autre? Quoi? Chat! Hé, Kobe! C'est un vaisseau spatial au-dessus de la ferme?
Ouais. C'est génial. Et Emma, trop jolies les paillettes. Je suis sûre que les cochons vont adorer. Oh, Eddie, on dirait que ton dinosaure se sent un peu seul. Tu veux pas en peindre un autre? Ok, mais tu veux plus qu'on peigne à ta façon, Sophie? C'est mille fois mieux quand tout le monde peut juste s'amuser.